Voici une vidéo d'utilisation du Genius Driver. À gauche, le Genius Metal, à droite, le Genius Crystal. Au premier plan, le Genius Driver. Le côté gauche du Genius Driver que vous voyez ici est en métal poli, adapté à l'ouverture du Genius Metal. À droite, l'extrémité est brossée d'aspect mat et adaptée à l'ouverture du Genius Crystal. Il est important de respecter le bon côté car le côté pour le cristal est large de 0,8 mm et pour le métal de 1 mm. Vous comprenez donc qu'il est important de respecter cela. On passe à l'utilisation maintenant. Vous prenez votre driver en main. Ensuite, il est important de le positionner bien perpendiculaire à la fente et non pas de biais. Et vous allez pouvoir ensuite tourner d'un quart de tour, comme ceci, pour l'ouvrir. Voilà, donc comme de cette façon, ça s'ouvre extrêmement facilement. Et pour le refermer, vous pouvez, d'une simple pression du doigt, entendre un clic qui vous montre que le système est bien fermé. Et de cette façon, vous obtiendrez des résultats fiables en termes d'ouverture et fermeture tout au long du traitement. Rapidement, sur le Genius Crystal, c'est le même mode de fonctionnement, mais vous prenez l'autre côté de l'instrument, vous vous positionnez de la même façon et vous tournez d'un quart de tour. Exactement. Pour la fermeture, c'est exactement le même système. Vous venez avec une pression du doigt, fermez le mécanisme et vous entendez un clic audible qui vous prouve qu'il est bien fermé.